Ça va être moche. Alors, comment ça se présente? Ok. Ça, c'est les petits classiques. Ok, est-ce que j'aurai d'autres comme indice? Un truc là-bas, non? C'est quoi? Ok. Rien de spé. Alors, comment je vais me débrouiller, moi? J'ai des grenades. Un truc de prélèvement. Un truc pour faire des super sauts. Oui, ça fait les petits matelas. Et un caca qui ralentit. Ok, je vais garder le caca qui est là. Évaluer indique la présence d'une substance très instable à proximité. Scanne-la pour que je puisse l'analyser et fournir des données plus précises. Oh merde, il y en a un qui a réussi à se faufiler. Le champ électrique s'est renforcé. Ah putain. En fait, faut pas que ces trucs-là aillent. Faut pas que ces trucs-là aillent là-bas. Ok, c'est ça. Donc moi, faut que j'empêche les bestioles d'aller embêter la plante. Sinon, elles vont me stresser ma plante et ça va pas être cool. Passer tous les croupions là. Ah ça y est, c'est bon, je vois. En fait c'était relativement simple du coup. Haha, et maintenant je vais où? Encore plus haut? Fabriquer le stabilisateur de fruits électriques. Eh bien on va faire ça tout de suite, on va se retrouver à le téléporteur et Banzai les amis. Go 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 comme ils disent. Hop là. Regardez-moi ça comme je suis content de m'en aller. Avec ça, tu devrais pouvoir ouvrir des portes à la vitesse de la lumière. Grosse affaire, hein? Alors je sais plus du tout où elle était cette porte, c'est ça qui est rigolo. Voilà. Petit étirement quand même avant de démarrer, c'est important. Sans pitié, payez plus pour gagner plus. 5 étoiles, profitez de toute la chance. Mouba, 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 V1, V17, édition 3 en or. Vous en mettra plein la vue. Grâce à ces 200 000 combinaisons d'achat intégrées temporaires qui décimeront complètement votre trésor de guerre. Rêvez et personnalisez votre jeu pendant qu'on rentabilise et capitalise en max. Mouba, 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 V1, V17, édition 3 en or. Plus d'actions, plus de destruction, plus de microtransactions que dans n'importe quel jeu. Tu jamais vu le nouveau. Mouba, 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 V1, V17, édition 3 en or. Des studios Brain Drain Games. Non inclus dans le jeu. Sauf si vous achetez séparément chaque personnage, élément du monde, modèle et texture. Aussi bientôt disponible. Bouba, 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 bouba. Non, ça s'arrête pas en plus. Le niveau supérieur en matière de conneries hyper simulées. Des studios Brain Drain Games. C'est pas dans le jeu. Oh putain. Salut Chaos. Ah là 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 là. Ah putain. Le mec qui fait les doublages, les voix sur les pubs. C'est un ouf, on dirait un petit peu le mec qui avait là, le petit chauve à l'époque Canal Plus Glorieuse, où il y avait Mademoiselle Foïs, et puis toute la Dream Team de ouf là qui improvisait n'importe quoi sur les plateaux. C'est un peu l'équivalent canadien, j'ai l'impression. Ah, me gonflez pas les pieds, je suis pas d'humeur. Parce que si je mets encore deux plombes à trouver le bon endroit où aller, cette agression ne passera pas. Le voilà le bon endroit. Alors, équipement, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes caca ralentisseurs. Moi, je les appelle comme ça, des caca ralentisseurs. Ça, c'est pour monter, escalader. Ça, ça pète, c'est pas mal. Mais il n'y en a pas dans le coin. Non, il n'y en a pas dans le coin. De la santé, je suis à bloc. On y va comme ça, on y croit. Donc, objectif, c'est une arène, il n'y a rien pour se cacher. Lui, il a une partie vulnérable qui est sur l'arrière. Et il faut juste éviter ses tornades et quand il charge. Point. Et il y a pas mal de santé distribuée sur le côté. On va lui faire les salutations.
de dos de préférence, c'est mieux. Faut que je me tienne en général. Allez, j'y vais, ciao. je finirai ma phrase plus tard. Oui, il faut bien se rater avec lui. Il faut essayer de bien viser aussi, ça aide un peu. Ça, c'est pas trop mon cas. Ah, papa. Trace, trace, gros, trace, comme ça. Ah. Ah putain, je suis pas bon. Hein. Oui, gros. Alors, faudrait que je lui flingue le dos quand même un jour. Ce serait bien. Et là, il s'en fout du coup, il fait. Ça met 2 heures à recharger, les amis. Oh, je l'ai bien senti celui-là. Je vais crever les anaches. C'est moche ce qui va m'arriver. Gourmo. Ah, chouette, ça fait où? Je suis mal barré, là, je suis mal barré. Sur ce coup-là, je lui ai rien fait. Et lui, il rigole. Il fait. J'ai un ennemi là? Non, ça fait 4 heures. C'est fou de moi. Il s'en fout de moi tellement je suis mauvais, quoi, c'est vous dire. Il est là, il fait, mais... Y'a un mec qui me cherche, ça. Ça va être long, ça va être long, pénible, je sais pas. Il y aura un truc. Il s'est fermé le trou de balle, là. Le truc que je dois te viser, quoi, on a bien compris. Ouais, c'est ça. T'as raison, gros. Charge-moi ça. Fais ta pause, fais ta pause, fais ta pause. Putain, je peux pas le contourner à temps, hein, c'est vrai. Je sais pas quoi lui faire, je désespère. Ah, ça va mieux, les amis. Non, ça va pas mieux du tout. Qu'est-ce qui vient de se passer? Des grenades, j'en veux. Cadeau. Attends, faut tirer sur ça quand il est à côté. Faut tirer sur les trucs orange quand c'est à côté. Putain, ça va péter dans tous les sens. Cassos. Du miam, de la vie. Vite, il me faut un truc. Je vais pas y arriver, là. C'est mal barré. Saute, wet jump, il n'y a pas de vie ici. Si, là-bas, vite. Ah, on y va. Il est où le gros? File-moi le gros. Il s'est planqué. Il est tout calme. Je vais en profiter, je vais me mettre vers la plante. Et je vais lui balancer une putain de grenade dans sa gueule. Cloc. Attends. T'aimes pas la bouffe? J'en ai plein. Tu veux pas de la bouffe? Ok, tu veux quoi? Du caca? Allez, tiens, prends du caca. Pareil, il a un petit trou de balle qu'il faut viser, mais... Faut viser, quoi. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il est bien. Il m'emmerde pas. Je peux l'aligner tranquille. Bang. Il va s'énerver. Ce léger. Ouh, il est pas content. Tiens, un peu de caca. Vite. De la life. Ah, il n'y a plus de life là-dedans. Je suis mal. Petite grenade. Hein, pour le plaisir. J'arrive pas à les attraper, ces grenades, bordel. Vide. Ah. Montre-moi ton truc joyeux. Tiens, t'aimes bien le caca, il paraît, toi. Allez, mange. Ah. Ça va mal se passer.
Il a l'air furax. Il a l'air pas content. Calme-toi, gros. Montre-moi ton truc qui va bien là. Ah putain, ça va super pas bien se passer. Qu'est-ce que je pourrais lui balancer? J'ai pas grand-chose. Ça, ça peut être bien. Ça passe pas à travers. Oui, celui-là, il l'a senti. Ah, on fait moins le malin. Ouais, c'est ça. Putain, il me faut de la life. Il me faut de la life, les amis. Sinon, je suis cuit. Ah, les plantes, elles ont pas rebooté. Elles me refont pas de la life. Non, pas là. Fallait pas faire ça, surtout pas. Non, c'était pas par là. Mais je suis où, bordel? Si. Ah, il me met direct au deuxième. Ça, c'est sympa. Oh, je t'aime, je t'aime. C'est parce que moi, je voyais le truc énorme où il fallait me refaire la première arène. On va gérer ça un peu moins connement que je l'ai fait, vu que là, j'ai pas à improviser. Le problème, c'est lui. Ok. Bon, pour l'instant, le problème, c'est moi, parce que je fais des conneries. Putain, les fleurs, elles sont restées en hauteur. Ça, c'est une bonne chose à noter. Donc, si je prends le temps de lever le nez, je pourrais peut-être recharger de la vie. Regardez. Plop, elles les font tomber en bas. Donc c'est tout bon pour moi. Faut que j'y pense à ça. Oui, je suis immortel, hein, je vous confirme ma théorie. J'ai ces trucs à grenades qui peuvent m'aider parce qu'il a l'air en ombre. Et les trucs à grenades sont spécialement étudiés pour foutre la merde sur lui. Ceci dit, quand j'arrive, le plus malin, c'est de tirer sur ça. Quand lui, il est à côté. Si j'ai le temps, si je ne m'affole pas. Bon, théorie, c'est fait, pratique, go. Un petit coup de jetpack pour éviter de se griller encore un... Je vais balancer une grenade dans le tas. Et je vais rester bien loin de tout ça. Merde, c'est pas la bonne. C'est une électrique. Pourquoi j'ai une grenade électrique? C'est pas ce que je voulais, les gars. On va faire le round d'observation. Je vais attendre l'opportunisme. Là, regarde celui-là. Tu le pètes, bourre-toi, toi. Et voilà. Et là, ça met l'ambiance, déjà. Oh! Oh, ça commence. Il y a un nonoï qui a sauté quelque part. Jump. Petite grenade. C'est une électrique encore? Non, putain, si. Alors, les électriques, ça me sert pas des masses. Ah, je suis dans dedans, quoi. Mauvaise stratégie, ami. J'aurais pas aimé la prendre. Aïe, si, je l'ai prise. Alors pense à tirer en hauteur, mon pote, si t'as besoin de santé. Taisez-vous en bas. Je garde celle en bas pour plus tard. Hop là. Et je ramasse mes petits trucs, là. Voilà. Ça se passe pas trop mal, là. Ça se passe pas trop mal, comme ça. Oula. Si. Ça va se passer pas terrible, quand même. Je l'entends, il est derrière moi, hein. J'arrive pas à faire mes strafes. Putain, bouge pas. Tourne-toi gros, fais-moi voir ton... Le petit truc qui brille là, j'aime bien. Pousse-toi, toi t'es au milieu, bordel. Oh, Par toi. Faut que je reprenne de la life, hein, quand même. Ouais. Oh, mais je fais que de la merde. Je me fais péter des grenades dans la gueule. C'est magnifique. Faut que je change d'arme, je vais faire que de la daube avec ça. Il est caca, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Sérieux petit, sérieux. Bouge. J'avais pas fait gaffe à ma life. Le cacamou, c'est une bonne arme. Je vous dis adieu les petits, hein, vous m'en verrez pas, ce sera un autre clone tout à l'heure. Est-ce que je prends du miam? Par hasard, alors j'ai cette merde. Ça c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup.
Ça, surtout pas. Faut pas que je m'en serve. Et j'ai déjà de la bouffe. J'en prends encore parce que je suis sympa et je vais donner à bouffer à tout le monde en bas. Ouais, non, mais je vais. Si je peux pas les avoir à la rage, je vais les avoir à l'amitié, quoi. C'est clair. Regardez-moi ça. Avec ma belle combinaison spatiale. On ne peut que m'aimer. Donc je vais donner à la bouffe à tout le monde parce que je suis un mec sympa aujourd'hui. Tiens, la bouffe. On va voir qui qu'on veut. Et il bouffe. Et du coup, je peux l'allumer. Mange, mange, mange. C'est rien. Putain, c'est pas mal ça. Ça marche. La stratégie du fou, du fourbe. Mange, 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 mange. Mange le bien. Regarde-moi ça, il adore ça en plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Mange en avant, tous. Aïe, 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 aïe. Ah, faut toujours pas se péter celui-là. Oui. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Celui-là, il l'a senti. Je peux l'avoir à la bouffe. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Tiens, 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 tiens. Putain. Mange, mange, mange. Attends, attends, attends. Il a fait repop des trucs. Ma santé, faut que je surveille ma santé, c'est important. Sans santé, la vie, c'est dur. Je sais pas sur quoi je rebondis, mais il y a des trucs qui m'emmerdent, là. Oh, il me faut de la life. Vite, là-haut. Ah, le flingue. Le flingue. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, saute. Fais quelque chose, putain. Non. Faux numéro. Faux numéro. Je suis inscrit sur une liste anti-spam. Lâche-moi la grappe. Puis il a pas de jauge pour qu'on sache où il en est. Ah, je vais crever encore. J'avais dit. Oh putain. Hop. Complet. Donc ça, j'en ai 5. 5 miam miam. Ok. Les trucs en haut, faudrait que je les flingue avant de descendre, limite. Comme ça, ça m'en fait plein de réserves. C'est pas con. Puis de toute façon, ils vont repopper. Alors, on fait ça. Hop. Oui, je vais la jouer sécure. Hein. Plop. Replop. Je vais m'en laisser quelques-uns quand même pour la grosse panique. Et on y go. Hop là. Hop là. Une fois là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on dit bonjour déjà, bonjour. On lui donne à manger pour faire voir qu'on est des mecs sympas. Elle a bien ce miam miam. Hein. On attend que le truc qui pète soit à côté. Et bim, barom, déjà, et donc. Ça, celui-là, il est tout fermé. On remet du miam miam. Ah, il est mort! Je déteste ce jeu autant qu'il me déteste. Oh, les pioups! Vous avez vu ce qui vient de se passer? Le machin qui allait me faire tourner en bourrique un quart d'heure. Il est mort. Venez, je vous fais la bise. Oh, toi. Mouah. Toi aussi. Même celui qui va péter, m'exploser la gueule si je tire dessus. Mouah. Oh, putain de bordel de bite. Fallait que je le dise, ça, c'est important. Ça se trouve, c'est un coup de super player que je viens de faire. C'est monstrueux. Donc la moralité du jour, c'est quand t'as des problèmes dans le cosmos, face à l'hostilité, sors un bon déjeuner. Je vais mettre du temps à m'en remettre de ça. Alors j'ai un truc à 47 mètres qui fait plus que me désirer apparemment. Si ça c'est un appel, je sais pas ce qu'il faut. J'espère que celui-là il va pas me faire une blague. Il y a un truc rouge, c'est bizarre. Non, c'était juste un buggy. Ok. Et donc j'ai fait ma mission, hein, et je peux retourner fièrement sur le vaisseau. J'adore cette amélioration. Si j'avais des jambes et des pieds, j'écraserais tout. Allez, monte les cristaux. Ah ben, on va refaire de la varap, yippee-kay. Cristaux alimentés 0 sur 2. Ok, donc va falloir que je pète des dalles. Ok, non, on y va, on va là, on va là, on va là. Température ambiante, 27 degrés Celsius, biomarqueurs nominaux. Alors, je viens juste de déjeuner, donc le vertige, ça va être terrible pour mon estomac. Jet set, jet set.
Jet Set Radio. J'ai trop envie qu'ils nous ressortent un Jet Set Radio, sérieux. Ça n'a rien à voir, mais j'arrête pas d'y songer, c'est horrible. Et quand j'y songe, en général, j'ai un pouvoir de mage. Je peux me donner un point de paradoxe, un chaos. J'ai un pouvoir de mage qui me permet de provoquer les choses. Oui, j'ai un désir très fort, une pensée comme ça. Donc il serait pas étonnant que Jet Set Radio soit annoncé en ressortie d'ici la fin de l'année, moi je vous le dis. Ah oui, c'est bien d'avoir des pouvoirs. Alors cette porte est coincée par une combinaison à la con, qui n'est rien d'autre que les trois tours, enfin les deux tours, il y en a aucune, il y en a une qui est déjà alimentée, les deux tours environnantes que je dois réactiver. Ce qui est sûrement ma mission du jour. Pour ça, va falloir que je trouve où aller. 163, j'en ai une à 150, on va se prendre celle-là. Zut. 110, on va se mettre dans l'axe et normalement j'aurai plus qu'à... Salut toi. Blaf. Bonne bave dans un stremon avec des yeux globuleux, y'a que ça de vrai. Et donc c'est droit devant. Tiens, mes affaires d'une mort précédente. Je vois même plus que j'étais mort ici. Ok, ça va être tout à base de méga jump et de... Oh là là, je sens que le plan de midi va ressortir. Yippee-kai, connard. Je vais rien dire. De toute façon, il n'y a pas besoin que je parle pour sentir le stress. Qu'est-ce que je fous là? Je déteste ce genre de varap. Chaf. Note pour moi-même, changer de slip. Aïe aïe aïe, regarde pas là-bas, c'est ça, rien même. Hihi, Jet Set Radio. Non, attends, c'est l'autre. Mais pas des bafards, ça sert à rien. Ah oui, alors ça, c'était la porte blagueuse. Elle est ouverte, mais quand on arrive, il y a un détecteur à champ électrique. Et du coup, vu que mon corps fait de l'électricité et que j'ai du bazar sur moi, bah ça se ferme. Donc du coup, il faudrait que je le neutralise, on m'a dit, avec une grenade. Et à l'époque, je pouvais pas trimballer les grenades électriques. Maintenant, ça doit pouvoir être le cas. Et ça va bien mieux se passer, du coup. Je suis sage. Quoi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Oui, le syndrome du môme de 10 ans encore. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je vais laisser mon endurance remonter une fois que je serai en face. Je me cale bien avant que ça se ferme. Je balance mes 5 merdouilles là, les 4. Et roule petit bolide. Putain, je sais pas si ça va marcher. Oh la connerie, il faut les balancer d'affilée comme un crétin, quoi. Je déteste ça. Tuez-moi. Enfin non, je rigole. Tuez le jeu, surtout. Je vais prendre une autre arme, parce que je sens qu'il va m'arriver un truc. Pas du miam-miam. Ouais, du caca qui colle. Impressionnant, la nature a repris ses droits sur la machine, et la technologie de base semble toujours fonctionnelle. Ah ben putain, je suis con. J'ai un méga jump. C'est la journée de la lourdeur, je suis désolé. Yalla! Putain, bordel de merde. Appuie-moi là-dessus. Ça, là. Vas-y, fais un truc électrique, fais n'importe quoi, fais ce que tu veux. Baisse-toi, mets une baffe. Encore une. Encore une. Ah, ça va mieux. Et on va lui faire un truc électrique s'il m'en reste un. Ouais. What's up? Oh putain. Les lasers. J'ai pas qui a construit la structure, mais ils voulaient pas qu'on entre ici. Qu'est-ce qui se passe? Si tu parviens à rester en vie assez longtemps, l'énergie du champ fort s'épuisera et le bouclier se dissipera. Le cristal. Bouge pas. Je bouge pas. Je laisse faire. Je vais peut-être dégueuler un coup, mais...
Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça s'élève? Est-ce que ça fait quelque chose? Ça va trop vite. Je veux descendre. Je vais. Je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas bien. On va regarder. Ah, ça y est, ça se calme. Ah. Où est l'autre? Le rose d'abord. Priorité sur le rose. Il est où l'autre? Alors, qu'est-ce que je fous ici, moi? J'en ai aucune idée. Il m'a fait redescendre. Ça y est, c'est réglé. Ok, c'est juste une épreuve de survie, on va dire, pendant le mode élévateur. Oh, c'est sympa, ces lasers, regardez. Je vais les suivre parce que je pense que j'ai les mêmes derrière. Laisse-toi. Remonte. Oh, le con. Oh, le con. Et là, je fais quoi? Je vais crever. Ah, j'avais dit, les gens ne m'écoutent jamais. Oh putain. Super la reine, merci. Merci, pas merci. Il est où le truc? Là, ça repart dans l'autre sens. Ouais, pas peut-être ça. Bah, en bas. En bas. Ah, je suis pas arrivé à me baisser. Baisse-toi. C'est Star Wars. Oh, baisse-toi. Oh, merde. Ah, le con. Il module les trucs maintenant. Je vais crever. Ah! Oh putain, c'est chiant. Non, 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 pas encore. Fini, fini. De la life. Vite, de la life. Oh putain, c'est mal barré. Oh, c'est mal barré, je vous dis. Je sais pas ce que c'est ces trucs là-haut. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas où sont les hostiles, j'en sais rien, et il me faut de la life, il me reste un point de vie, quoi. Allez, reboot, saloperie. Calmos, pas de laser. Si je me prends encore une épreuve des barrières laser, c'est mort, je vous le dis. Ah. C'est fini. Quoi, ça? Je crois que c'est fini. Bon travail. Même pas un petit bonus. Bon travail toi-même. Je veux savoir ce que c'est, ces trucs. Des tétons, je sais pas quoi, mais c'est ça a pas l'air posé là innocemment. Oh là 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 là. Comme dans Total Recall. Ok, je confirme quelque chose qui se cache dans les entrailles. Une masse concentrée, énorme, vivante. On a obtenu un enregistrement partiel et ça fait. Tiens, le jeu vient de basculer en sous-titres anglais. Alors, les tétons, c'est juste pour refléter le voilà, c'est Dark Crystal, ok. Où tu veux que j'aille, gros? Là-bas. Un truc où il n'y a pas de trucs en hauteur, hein. Ouais, tranquille. Par où je descends, moi, du coup, gars? Un escalier, tu pourrais pas? Oui, je sais, ça fait un peu marginal, mais bon, un escalier, quand même, c'est... Je pense que dans le futur, il y aura toujours des escaliers, hein, malgré toutes les évolutions. Je vais où, là, bordel? C'est pas très très clair, hein, où il veut que j'aille. C'est même pas clair du tout. Et j'ai pas envie, là. J'ai mon déjeuner qui est encore à l'intérieur de moi. J'aimerais bien qu'il reste où il est. Y a pas un moyen de me téléporter direct avec ça? Non. Une bonne baffe, c'est que ça devrait, de toute façon. Alors, sur la map, lui, il me dit qu'il faut que j'aille à la tour suivante, bien entendu. Chute de 50 mètres et sortant sans une graphine dans son propulseur autonome. Monsieur a de l'humour, je vois.
Mais j'ai vraiment pas envie, quoi. Comment, il faut que je l'écrive? Je vais l'écrire. Je n'ai vraiment, mais alors vraiment, pas envie de faire le saut de la foi du professeur Jones. Choix, il n'y en a pas. Ok. Je t'emmerde, sale jeu. Ah, assistante, un nouveau slip, merci. Ah, ça va mieux presque. Mais t'as vraiment envie que je fasse ça tout le long du jeu, toi? Il y a une plateforme là, on va y aller tranquille. Mais c'est fait pour descendre, ça, pas pour monter, les gars. Il me reste un truc de santé. Je me mets un gars dans le vide, c'est mort. Est-ce que je me sentirais menacé? Non, ça va. Tranquille. Reste dedans. À gauche ou à droite? À gauche, ce serait mieux. Ouais, on va faire ça alors. Super! J'adore ça! Putain. Non, 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 oh. Le dernier truc. Ah si. il y avait une petite mûre là-haut. Petit coup de boost quand même. Oui, Pepsi, je me sentais le cul à l'air là. Alors celui-là il est ouvert, mais il y a un autre piège. J'y suis déjà allé. Donc il y a des plateformes rotatives qui sont bloquées apparemment. Et il y a un truc qui est planqué au milieu en dessous. Et je sais pas du tout ce qu'il faut faire encore. Bah alors on va me l'indiquer peut-être cette fois. Peut-être je vais enfin utiliser mon coup pour péter les dalles au sol. Oui, c'est exactement ce qu'il va me dire. Voilà. Donc on va enfin utiliser ce coup qui est donc un jump plus B. Ouais, ok. Ça a fait mal, mais c'est pas grave. Donc j'ai ce bordel qui est coincé, ben, comme tout à l'heure. Hein. Et j'ai ça. Il faudrait que je m'accroche à ça. Alors ça, je le pitche pas trop. Celui-là, il a l'air pas bien enclenché. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il va y avoir une logique. Alors, on va y aller calmos. Scanne-moi cette merdouille. Tu veux pas? On dirait que ça bloque le flux d'énergie du générateur. Pour suspendre les montées de la plateforme. Ok. La montée de la plateforme qui elle-même doit être... ça. Eh. Oh. Ne perds papier. Ça va m'aider à remonter. Ok. Donc il y en a un qui est là, on s'en fout. Il va rester là. Parce que à manipuler, c'est pas prévu pour être manipulé. Hein. Je peux pas le poser. C'est juste je l'attrape et il retombe. Donc ça sert à rien. Si je les enlève tous, ça va se mettre à tourner. Alors pour monter. Je vais rien dire. On va le faire. Hop. Hop hop pam. Madame pam pam. Le mec qui sait pas du tout ce qu'il fait, mais qui prend un air convaincu qu'il a une totale maîtrise de la situation. Vous le connaissez? Ouais, moi aussi, je sais. Oui, la lave, elle va monter. Eh bah oui. Je suis trop rassuré. Eh, c'est moi qui descends ou c'est la lave qui monte? Non, mais... Tais-toi, toi, par où je passe. Ah, ça, ça m'a la tête. Il y a un trou dans le plafond, merde. Non, non, pas comme ça. Pas comme dans Star Wars, dans le broyeur de... Ah, j'ai oublié de faire mon super double saut. It's too late. Mes amis, je vous quitte, je vous laisse avec mon prochain clone. Oh, merde. Allez hop, on va arrêter le stream ici. Une petite pub. Oh, il n'y en a pas, ça va. En attendant, restez paisibles, restez au chaud. Et à tout bientôt. Bye.